c'est une réalité. Ce n'est pas une question de lui, ce n'est pas dans sa réalité. Donc, il ne faut pas qu'il s'oppose à ma réalité. Lui, en tant que blanc, ça a été éradiqué chez eux. Dans ce moment, ça a été éradiqué. Moi, parce que je ne me suis pas levé un matin pour dire que c'est la sorcellerie. J'ai vu ça. Mon père est mort, ma soeur est née, ma soeur. Et moi. Mais les gens ont lancé un défi. Allez, dissimuler la famille, détruire la famille pour prendre l'héritage. Et c'est ce qui m'a amené à la conversion. Il fallait maintenant chercher un sauveur. Il fallait aller au Mali, au Liban. Si on retourne au Mali, le plus, celui qui allait buvait les grands nasigis de notre papa, c'était buvait les nasigis. On a tous vu les nasigis, donc tu viens matin dans la douche. Il faut aller au Mali, on cherche, on calcule comment faire pour se protéger, surtout mes soeurs, contre la sorcellerie. Et puis il y a une cousine qui m'a approché pour dire, Jésus peut te délivrer. J'ai dit, mais c'est comment Jésus? Aller à l'église, c'est ça? En temps, j'aimerais pas aller à cette histoire d'église, aller chez nous, aller à l'église, chanter, comment Dieu est grand, peut se mettre en train de chanter. Non, Dieu n'est pas ça, pas pour ça. Et c'est-à-dire qu'il me dit, non, Jésus-Christ peut nous protéger contre la sorcellerie, non seulement me guérir, et qu'on peut me protéger. Ça suffit, tout le monde, d'aller à l'église. Et là, quand je suis allé à l'église, je me suis adressé au pasteur. Le pasteur m'a demandé, est-ce que vous voulez vous donner votre vie à Jésus? J'ai dit, mais comment on donne sa vie à Jésus? Il dit, c'est pas la foi. Ça veut dire quoi la foi? Accepter Jésus. Comment on l'accepte? On m'a montré, donc je l'acceptais, Jésus, tout ça. Donc moi, j'étais à l'église. Mais et toutes les nuits, je souffrais. Quand je me suis dormi, toutes les nuits, au petit matin, paf, la chose, la douleur disparaît. C'est une douleur aiguë au niveau des poumons. Aiguë. Tout le monde lui posait la question, je pouvais aller terminer la nuit. Alors, j'ai fait une semaine, pas de guérison. Quand j'approche le pasteur, je dis, mais bon Jésus, comment il guérit les gens? Ça fait une semaine, je suis à l'église, je suis là, Jésus. Donc, il me pose la question, vous avez accepté? J'ai dit, oui, j'ai accepté. Vous m'avez fait une seule fois à l'église, là, c'est que j'ai trois accepté Jésus. Moi, je n'ai pas fait d'église, tout ça, mais j'ai accepté Jésus. Vous m'avez promis, vous avez dit que Jésus allait me guérir, mais je ne vois pas Jésus en train de me guérir. Il dit, ben, vous savez, Jésus, il est bon, il peut vous sauver. Il a le paradis, vous pouvez même mourir de cette maladie. Il dit, non, pasteur, ne touchez pas la mort, parce que là, je ne suis pas venu ici pour que les sorciers me tuent. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas venu ici parler au paradis. Le paradis ne m'intéresse pas. J'étais direct le pasteur. Hein. J'ai dit non, le paradis ne m'intéresse pas. Je suis venu pour que Jésus me guérisse. S'il m'a guéri, je crois à votre paradis. Chez nous, le paradis existe chez nous. Je vais expérimenter une autre chose. Alors j'ai quitté l'église. Et c'est comme ça une autre soeur partie du côté m'a approché. Elle a commencé à me parler de la puissance de Dieu. J'ai dit comment il est pour Jésus. Dis à Jésus de te montrer ce qui sont la base des problèmes. Et est-ce que Jésus, votre Jésus, il a pu nous montrer ici? C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand je suis allé dormir, j'ai vu. Trois jours après, non, le quatrième jour après, j'ai vu des gens dans le rêve qui sont venus me dire que j'étais attaché. Mon missionnaire me perfore les poumons. Et trois lances ici, trois dans les poumons, et je me suis réveillé. Alors, c'est Sina m'a quand même interpellé. Donc, matin, j'appelle la soeur, je change avec elle. Elle m'a dit, appelle quelqu'un au pays et puis cherche à voir le nom. Je suis retourné, les gens disent, oui, si, je les ai vus au funérail. Ouais, faire le portrait comme dans le nom des personnes. Il me fait trouver le nom des personnes. J'ai introduit ça dans la Bible. Je n'avais pas prié, mais je fais comment? Elle dit, tu prends le psaume 35, je commence à prier. Je ne savais pas. Donc, je prends, je récite le psaume jusqu'au petit matin. Je commence à 1h04. Quand je vais finir la semaine, on m'appelle. Mon propre oncle m'appelle pour m'annoncer la mort de quelqu'un d'entre eux. Ah non, ça a déclenché moi la foi. Oui, c'est ce que je voulais entendre. Parce que pour moi, il fallait que les sorciers tombent. Il fallait que les sorciers tombent. Parce que c'était vraiment une méchanceté de voir mon père mourir sous mes yeux. Entre j'avais déjà perdu ma mère. Vous voyez, j'avais déjà perdu ma mère. Mon papa était pour moi un modèle qui faisait tout pour notre réussite. Tout ça, je voulais le voir mourir. Mon frère, ma soeur et tout ça. Quand j'ai appris que quelqu'un est mort, c'est fini, ça a déclenché moi la foi. Et cette personne a commencé à tomber comme ça. Paf, paf. C'est là que j'ai cru à la puissance de Dieu. Alors j'ai vu Jésus-Christ. Qui est descendu comme ça dans ma chambre, et ça, dans le mensonge, qui est descendu dans ma chambre, il avait de l'huile dans une coupe en or, et qui m'a arrosé avec de l'huile. Il m'a dit, je t'appelle aujourd'hui un ministère glorieux,
Venons de passer à Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Il dit « Aucun sorcier sur la terre des hommes ne pourra te détruire. Ton ministère consistera à la destruction des œuvres de la sorcellerie. » Donc, chaque homme de Dieu a son appel. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a consacré. Vous savez que la sorcellerie, ce n'est pas un amusement. Quand tu as affaire à eux, tu retournes forcément sur ton chemin. Voilà. Si je me mets aujourd'hui devant la télévision ivoirienne que je défie les sorciers, pas parce que j'ai envie de les défier. Non. C'est parce que je sais ce que Christ a mis en moi, c'est mon appel. Dieu m'a amené à ça. Alors, j'ai vu Jésus qui m'a oint. Quand je me suis levé, l'huile que j'ai vu en songe, j'ai vu ça tout sur mon corps, tout ça. Mon drap était trempé d'huile et tout, mon corps et tout ça. Dans la panique, je voulais appuyer sur l'interrupteur, j'ai vu une lumière, j'ai eu dans ma chambre. Et Jésus, j'ai entendu la voix de Jésus qui m'avait audible. Comme je suis en train de vous parler, n'aie pas peur, je suis Jésus. Voilà, ton ministère consiste à la destruction des œuvres des ténèbres. Alors Dieu m'a oint en tant que prophète, parce que quand on dit prophète, d'abord la définition, c'est le voyage. Amen. Ce qu'on a dit, prenez 1 Samuel 9, 9. On dit un prophète, c'est le voyant. Ouais. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? 1 Samuel. D'abord, la Bible dit quoi? La Bible, comprenez, allons-y dans Corinthiens. Allons-y dans, d'abord dans Corinthiens, on touche Samuel. Allons-y dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3 à 4. 1 Corinthiens, c'est le Nouveau Testament.1 Corinthiens 12, le verset 3. Verset 3 à 6. Si vous y êtes, on fait la lecture. Quelqu'un là-bas? On y va. Ici, je fais la lecture. D'abord, le verset 4, ça va nous intéresser. Allons-y, plusieurs le verset 4. Le verset qu'on dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tous en tous. Ça veut dire quoi? On dit d'abord, on nous parle de diversité. On dit ici la diversité de dons. Ça veut dire que Dieu donne beaucoup de dons. Chacun, chaque homme de Dieu a reçu des dons, diversité de dons. Mais le verset, le chapitre 5, le verset 5 nous dit, il y a diversité de ministères. C'est-à-dire, chaque homme de Dieu a un ministère. Et quand on parle de ministère, c'est le service. C'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais tu es appelé à quoi? Si tu viens dans le domaine du prophète Crasso, non, tu vas attraper sorcier, tu vas mourir. Sorcier va te tuer. Je suis ministre de la communication. Vu qu'il vient à l'économie des finances, mais si vous voulez faire, non, comme l'argent est bon, dégage, ils vont te chasser. Non, bon, comme c'est le ministère d'économie des finances, je veux voir un peu comme une expérience. Non, c'est qu'elles ont une expérience. Toi, tu es ministre de la communication. Tu dois réfléchir comment la colle doit évoluer en matière de communication. C'est tout. Donc, chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Amen. Voilà donc. Il y a des gens qui sont pasteurs, ainsi de suite, tout, voilà, les ministères. Mais le prophète, c'est un voyant. Donc la définition, allons-y, dans 1 Samuel, le chapitre 1, le chapitre 9, verset 9. Si vous y êtes, ou bien vous êtes étranger à Jérusalem. L'étranger, on ne sait pas chercher. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 9. Ah oui, ça donne le portable. Ce n'est pas dans vos vies. Si, c'est dans le portable. On y va, non? Samuel 29. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, très bien, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. Ah, merci, j'aime bien cette version. Allons chez l'homme qui reçoit des révélations. Ici, dans ma version, ici, écoute, je puis. On dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons vers le voyant. Ici, on dit l'homme qui reçoit des révélations. C'est très bien, cette version. Allons-y. C'était là le nom par lequel on désignait ce qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Merci. C'est une très bien version. C'est une très, très, très... Réprends-moi le verset. Réprends avec ta version. Autrefois en Israël. Quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations.
C'était là le nom par lequel on désignait ce qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Ah, amen. Amen. Donc le prophète, c'est celui qui reçoit des révélations. 1 Samuel chapitre 1, verset 9. C'est celui qui reçoit des révélations. Si tu n'as pas reçu des révélations, tu n'es pas prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est, en un mot, c'est un consultant. On vient le consulter pour avoir, n'est-ce pas, une orientation. Amen. Amen. C'est son travail. On n'a pas besoin d'aller faire une étude théologique pour être prophète. Non. Un analphabète peut être prophète. Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. C'est-à-dire, ainsi parle l'Éternel, ça c'est la prophétie. Mais le ministère prophétique, c'est-à-dire dès que tu es en contact avec une personne, c'est fini. Le Seigneur commence à te parler. Et par toi, Dieu oriente la vie de cette personne. Tel que peut-être que je suis, le don que Dieu m'a donné. Quand quelqu'un a la sorcellerie, je sais. Je connais la dimension de la sorcellerie et tout ça. C'est comme un détecteur au niveau de la tête. Au départ, ça me fatiguait, mais maintenant, je suis habitué. Je connais les Arabes sorciers. Je sais qui a fétiche. Oui, a fétiche. Si on entend un truc comme ça, quelque part, je sais déjà. Si on entend un truc comme ça sur toi, ou il y a quelque chose qui a été fait sur toi au village, ça, je suis déjà au courant. Tout ce qui est la sorcellerie, si ils ont bloqué ton mariage, ta fécondité, tout ça, je sais. Oui. Amen. Amen. Et regardez dans 2 Chroniques 20, après deux rois, 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Je vous explique un peu en même temps le ministère prophétique. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20. Verset 20. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Je vais toucher ma version. J'ai demandé de faire confiance, non? Je vais aller ma version ici. 20. Le lendemain, il s'est mis en marche, de grand matin, pour le désert de Tekoa. À l'heure du départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ce prophète et vous recevrez. Amen. Donc, les prophètes sont comme une clé. Et quand tu se confies au prophète, ça veut dire que tu es fatigué. Ça ne va même plus. Et tu dis, prophète, tiens, je me confie à toi. Je laisse Dieu me parler au travers de ta personne. Je laisse Dieu m'orienter au travers de ta personne. Alors, quand vous tombez sur un prophète de Dieu, il vous ouvre les portes de la vie. Amen. Il vous ouvre les portes de grande bénédiction. Amen. Et quand vous regardez la liste dans la parole de Dieu, un prophète n'a jamais prié. Ça vous paraît bizarre. C'est pour ça que parfois, j'ai dit aux gens, je ne suis pas un prieur. Oui. Prophète, prie pour moi. Moi, je ne prie pas. Je t'oriente. Je suis un apporteur de solutions. C'est les pasteurs qui prient. Et ceux qui prient, non. Le prophète, quand il vient, il intervient. Il vient pour des interventions. C'est pour ça que nous allons aller dans 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 9. Vous allez voir un peu la parole d'Élisée. 2 Rois 5, à partir du verset 9. Ça va? Je suis en train de vous montrer le système prophétique. Hein. Viens venir, le prophète va prier pour moi. Non, il y a une action que je dois faire pour décanter ta situation. Le prophète est dans les actions prophétiques. Sans prophétie, c'est pas prophète. Allons-y. Naaman vint donc avec ses... Écoutez très bien ce message. Oui. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Écoutez, mon amant vient avec ses chevaux, frères des chars, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. De la maison d'Élisée, le prophète Élisée, en quête de guérison. Et Élisée envoie un messager pour lui dire: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Allons-y. Écoutez, Naaman se mit en colère. Ah, j'aime bien ta version. Et il s'en alla en disant:
Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas. Moi, je suis venu pour une guérison, toi, tu me dis d'aller plonger dans le Jourdain. Les fleuves de Damas, la manna et le parpaing ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas me baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: mais si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Amen. Dis amen. Amen. Vous voyez, voici un monsieur syrien qui était vraiment étranger au système des Juifs, au système des prophètes, tout ça. Heureusement pour lui, dans sa maison, il y avait une jeune fille juive. Il tapait d'une lettre. En temps, cette maladie était considérée comme une maladie impure, une maladie inguérissable. Donc, en quête de guérison, va se rendre en Israël. Et il allait d'abord près du roi, et c'est le roi qui l'a commandé Élisée. Alors, Élisée l'avait déjà vu quand il envoyait Géasi. Lui dit d'aller plonger dans le Jourdain. Et Géasi était le prophète. Donc, il avait besoin de quelque chose pour son miracle. Chez lui, le prophète allait sortir prier pour lui. Or, le prophétique aime bien les actions. Pour lui, il voulait forcément la prière. Donc, le prophète dit, va, plonge sept fois dans le Jourdain. Lui, ça l'a énervé. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre ma lèpre et puis le Jourdain? Le Jourdain, c'est comme, si je veux comparer les choses, comme la lagune. La lagune. Amen. Et il a commencé à murmurer. Pourtant, il fallait ça. Donc, il fallait suivre l'orientation prophétique, la parole du prophète. Fâché. Mais quand il a senti de rentrer, d'écouter la voix de Dieu, il a été purifié de sa lèpre. Nulle part, le prophète n'a prié pour lui. Il a seulement écouté la voix. Et je vous dis une chose. Le diable ne fait que copier ce Dieu. Qui est d'après moi? La preuve, c'est que les bruteurs, quand ils demandent de tuer un enfant, ils vont pas là. Hein? Chose bizarre. Quand ils vont voir peut-être les petits chiens, les trucs.